on est en finale. On est en finale. Pour un poteau, c'est une soirée historique. Après tant d'attentes, tant de désillusions, tant de tristesse, le Paris Saint-Germain est pratiquement sur le toit du monde. Attends, je vais pas gueuler ce soir. Je vais me calmer, ça sert à rien. Je vais faire une vidéo tranquille, cool. On est en finale, sa mère l'hippopète. Passe-moi, j'y crois pas, c'est pas possible. Passe-moi, passe-moi, font du leap zigzag sur un bateau. Passe-moi, tombe, qui c'est qui reste? Non, c'est Paris, ferme ta gueule, c'est Paris qui reste. Dès le début du match, Mbappé a envoyé une magnifique passe à destination de Neymar Vell et boum, le gardien des leap zigzag a été sauvé in extremis par son poteau. C'est à ce moment-là que j'ai senti qu'on allait la boire, la soupe est big. Et quelques minutes plus tard, faute, coup franc, Marocchino nous a prouvé que Red Bull donne vraiment des ailes. Et qu'est-ce qu'elle était belle sa tête, il a sauté plus haut que tout le monde et bim, 1-0 poteau. Ça fait zizi. Marocchino, c'est pas le plus grand de la bande, mais il est toujours là au moment où il faut, quand il faut, pour faire le geste qu'il faut. Il met tout le temps des buts de la tête dans des matchs importants en plus. La tête était magnifique, le match était mal. Non mais la tête était vraiment magnifique, le match était magnifique, nos joueurs sont magnifiques. Le match a commencé de la meilleure des façons, exactement ce qu'on voulait, poteau. Et quelques minutes plus tard, rebelote, une petite matière de Neymar Vell à destination de Mamma Mia, du gauche, bim, comme à l'entraînement, ferme ta bouche, Liebig. 2-0 pour la mi-temps, à ce moment-là, on était en pétard, façon, on a toujours été en pétard, on pouvait pas perdre, poteau. Ensuite, pour la deuxième mi-temps, Neymar Vell sont revenus sur le terrain en se disant ce soir c'est notre soir. Et un petit peu plus tard, c'est carrément Julien Bernard, le plus petit de la bande, qui met un but de la tête lui aussi. Bim, 3-0, tout s'est passé comme prévu, sans faire de vague face au Leap Zigzag. Ah ouais, mais j'ai oublié de te dire, en première mi-temps, Neymar Vell il nous a claqué un de ses coups francs de tellement loin, un coup franc incroyable. Et bim, poteau, double poteau pour lui ce soir. Neymar Vell il a pas de chance en ce moment, mais t'inquiète pas, en finale il va la foutre au fond. Moi chez moi. La veille du match, il y en a plein, ils s'amusaient à me dire ouais, mais les Zigzag ils sont plus forts que Paris collectivement. Mon cul sur la commode. On a agressivement contrôlé le match. De quoi tu parles, poteau? Moi chez moi. On a tellement contrôlé le match qu'il aurait été impossible de nous arrêter à la régulière. Alors ils ont fait plein de fautes comme d'habitude évidemment, mais ça va, ils ont été mignons quand même comparé à certains. On a vu pire. Fin du match, Thomas Tontrou elle a carrément fait rentrer Verratti, tant petit par la taille mais grand par le talent. Draxler qui, je sais pas, et Choupeau Machine qui n'a pas marqué cette fois, mais un joker sur lequel on pourra toujours compter en tout cas. Cocorico quant à lui il a fait 2-3 arrêts très 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 bien. Il a magnifiquement remplacé notre ange gardien Cavassure qui lui est blessé malheureusement pour le moment. On l'emporte 3-0, il n'y a pas de nouveau blessé et on est en finale, je rêve éveillé. Ouais bah c'est bon, ça sert à rien de rêver. Ah t'es encore là toi? Ouais bah vous enflammez pas trop, il reste encore la finale. Vous allez vous faire défoncer, j'en suis sûr. Écoute, d'après toi on aurait dû être éliminé depuis longtemps et pourtant on est en finale. Ouais mais ça c'est encore de la chance, Leipzig c'est pas une vraie équipe. Attendez le Bayern, vous allez voir. Mais de quelle chance tu me parles toi encore? On a joué notre demi-finale avec plein de blessés sur le banc et même notre ange gardien Navasur n'était pas là, alors ferme-la. Ouais mais cette Ligue des Champions elle est chelou, ça vaut même pas une Europa League avec ses éliminations directes là. Ouais ouais, exactement comme celle que vous avez achetée sans match retour. Allez ferme ta boîte de conserve et marche une heure, Bessie. Bref, plus sérieusement, dans mes tops je mets Marocchinhos, notre futur capitaine qui nous a fait un magnifique match en sentinelle. J'ai l'impression qu'il a joué un petit peu plus haut que d'habitude. Au début j'ai toujours eu du mal un petit peu avec ce poste qui lui est attribué depuis quelques temps maintenant, mais je suis le plus heureux. Je le mets dans mes tops, Marocchinhos, merci poteau. On pourra jamais oublier ce but tellement important, Marocchinhos, je t'aime. Mon second top c'est Di Mamma Mia. Quel retour magnifique de Di Mamma Mia. Non seulement il est buteur mais en plus il nous a fait des magnifiques passes farci, des passes farla. Il a été présent au milieu de terrain, Di Mamma Mia, je t'aime. Poteau, on est en finale à un match du sacre. Une demi-finale maîtrisée, 3-0. On peut carrément appeler ça un massacre. Mais on va pas s'enflammer car le plus dur reste à venir. Mais on a quand même marqué l'histoire du club et ça, ça restera jamais dans nos cœurs et nos souvenirs. En ce qui concerne la suite, déjà je sais pas comment je vais faire pour trouver le sommeil parce que là je crois bien que je vais pas dormir jusqu'à la finale. Ensuite, si on doit se refaire l'Olympique Nikponet de l'autre connard de Las Palpatine, t'inquiète pas, ça sera facile, on va le faire à cause qu'on l'a déjà fait, poteau. Par contre, si c'est le Bayern qui se pointe face à nous en finale, on va les défoncer aussi à cause qu'on a peur de personne, you know. Voilà tout, qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match. Je vous donne rendez-vous soir ce sur le AZ Canapé Magique pour la suite des hostilités, tout simplement. Comme ça, on va connaître qui c'est qu'on va défoncer. Donc je vous dis à ce soir sur le AZ Canapé Magique, on est en finale, on est en finale, on est en finale. Y'a pas d'on connaît les bails, je m'en bats les nuts. On est en finale.